Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un métier que vous ne connaissez peut-être pas. Et je suis en compagnie de Lilian Thomassin. Lilian Thomassin, c'est un spécialiste de la modélisation en 3D et qui a effectué ses études chez Objectif 3D. Salut Lilian, comment est-ce que tu vas ? Et bonjour, ça va très bien et toi ? Bah écoute, je suis très content de t'avoir sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du métier de modeleur, parce que du coup, je pense que t'es la personne la plus qualifiée pour parler de ce game-là, en tout cas. Et j'ai quelques questions un peu à te poser, en sachant qu'il y a certaines personnes qui potentiellement matent cette vidéo, sont en recherche, etc., se renseignent un peu sur le métier pour voir un peu qu'est-ce que ça implique de faire ce job, etc., qu'est-ce que c'est précisément, qui, j'imagine, soit pour leur orientation se posent des questions, soit se posent des questions pour leurs enfants ou leurs proches qui veulent faire ce genre de métier. Donc voilà, je pense que ça tombe un peu à point nommé. Première question importante, elle est super simple, je le dis à chaque fois, c'est mon gimmick de début de vidéo, mais il faut le dire, c'est quoi un modeleur précisément? Je pense que c'est par là qu'on va commencer un peu les bases. Un modeleur, c'est celui qui vient mettre en matière au début d'une production, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, les concepts. Donc vous recevez un concept, vous venez récupérer le dessin, vous mettez en œuvre. Donc au début, souvent vous partez d'une sphère ou d'un cube, et vous venez soit sculpter, ça dépend des logiciels, vous pouvez sculpter directement la boule, faire des têtes ou des véhicules, ou directement dans des logiciels un peu plus simples ou plus industriels, partir de quadrillage, faire des petites réglettes. On peut faire un personnage, un objet, il n'y a pas de limite a priori sur ce qu'on peut créer, à partir d'une forme en fait, quel que soit le logiciel. C'est ça, tout ce qui est, on va dire, matériellement créable. Qui est possible d'être créé, ouais, carrément. Après tout ce qui est, si vous voulez faire du fluide, tout ce qui est des liquides ou de la poussière, ça c'est plus du côté des effets spéciaux. Nous on est plus dans le solide, on va dire. Ce métier il existe depuis très très longtemps j'imagine, mais est-ce que il y a une période en particulier où ce métier il a connu un certain essor? J'imagine que c'est par rapport à l'arrivée du jeu vidéo et aussi par rapport au numérique. Est-ce que tu penses que là aujourd'hui on est un peu dans une espèce d'âge d'or si on veut, où ça recrute beaucoup dans ce genre de secteur? Le secteur est de plus en plus connu, oui, surtout dans le jeu vidéo, avec l'arrivée de tout ce qui est Unreal et tout ça, la capacité de mettre des objets de plus en plus lourds dans un jeu vidéo, faire des images de plus en plus belles, demande de plus en plus de manœuvres. Donc oui, le métier n'est pas prêt de mourir. Au contraire, soit dans le cinéma, si vous voulez faire du dessin animé, il y a beaucoup de dessins animés différents, de types de dessins animés, que ce soit cartoon, vraiment cartoon. Pareil, il y a le VFX, ce qu'on appelle VFX, c'est le cinéma comme vous connaissez, genre Marvel ou tout ça, où on vient faire des incrustations dans les fonds verts, mais où remplacer les vrais acteurs par des doubles. Donc on refait les acteurs en 3D. Pour des scènes d'action notamment, des cascades qui sont pas forcément possibles d'être faites directement, on fait appel au modeleur directement pour pallier ça. Par rapport à ce métier-là, quel est un peu le parcours, un peu la voie à suivre, les études qu'il faut faire si jamais quelqu'un veut devenir modeleur en fait? En premier, vous avez l'option faire une école privée ou publique, ça dépend ce qui existe. Pour ma part, j'ai fait 4 ans dans une école. À la base, j'étais parti pour faire du jeu vidéo. Et première année, tout le monde te guide, on te prend les bases de la 3D. Et quand à la fin de l'année, on te propose, tu veux aller en jeu vidéo ou en cinéma, à force de voir du cinéma, je dis, ouah, c'est des belles images quand même. T'as envie de switcher quoi. Voilà, mais le côté jeu vidéo n'est pas fermé non plus, parce que quand tu vas dans le cinéma, tu as les bases pour faire du jeu vidéo. Le modeleur, plus tu connais de logiciels, plus tu auras d'opportunité à travailler un peu où tu veux. Modeleur, c'est comment en termes de rémunération, etc. Quelqu'un qui sort d'études, comment est-ce qu'il peut voir les choses? Quels sont un peu quel est un peu le panel de possibilités? En France, parce que là je suis au Canada, mais France... Moi en France, après tu peux comparer avec le Canada si tu veux. Hein, après, si vous avez la chance d'avoir un job au Canada, si vous avez la chance d'être pris pour le permis pour aller travailler au Canada, c'est bien. Parce que le Canada a plus grande facilité à mieux vous payer. Mais il y a l'inconvénient d'être pas à la maison. Mais ça apprend bien, c'est un bon début. Bah, au début, vous attendez pas à quelque chose de fou. Mais pour ce métier-là, on est quand même, on n'est pas au SMIC, on est quand même au-dessus. Même en France, hein, j'ai eu la chance de faire 2 mois en France dans un petit studio de cinéma avant de partir au Canada. Et je travaille à distance et
ça suffisait largement à vivre. Vous êtes payé à l'ancienneté, donc au début, vous n'allez pas pouvoir demander quelque chose de fou. Vous allez commencer peut-être à 1500, 1000, entre 1500, 1000 ou 2000 bruts. Mais si vous restez plus longtemps à l'entreprise ou si vous faites un nom, si votre portfolio commence à se remplir, si vous avez des bons films ou des bons jeux, ben vous allez pouvoir demander de plus en plus. Il y a la prétention derrière à demander plus pour le travail qui est effectué. Dernière question juste que je voulais un peu poser, et là c'était plus par rapport à toi personnellement. Quel est selon toi, et là on parle plutôt jeux vidéo, les jeux les plus inspirants en termes de travail de modeleur? Est-ce qu'il y a vraiment un jeu en particulier tu t'es dit « waouh ». Je n'ai pas une grande panoplie non plus de reconnaissance jeux vidéo, mais en termes de qualité image, il me semble que Last of Us a fait un grand palier là-dessus. Et après, en général, les jeux récents qui vont sortir grâce à Unreal Engine 5 vont commencer à se rapprocher du cinéma. Donc l'image va rattraper la vraie image du grand écran. La frontière va être d'autant plus restreinte entre les deux petit à petit, avec les technologies évidemment qui sont embarquées. Merci beaucoup encore une fois, Lilian, d'avoir été présent avec moi. Et puis, je vous dis à tous, à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo par rapport à ce métier spécifiquement. N'oubliez pas, si jamais vous voulez poursuivre vos recherches, n'hésitez pas à vous rendre en kiosque pour justement le guide des métiers du numérique et les formations. Il y a 25 métiers qui sont présentés dans ce guide. Notez également qu'il y a des interviews avec pas mal d'informations sur les compétences, le cursus à suivre, le salaire, etc. Donc n'hésitez pas à vous rendre dedans. Il y a également pas mal d'écoles qui sont présentées à l'intérieur. Donc si jamais vous êtes en pleine recherche concernant une formation ou pour une réorientation, n'hésitez pas, le guide est là pour ça et il le redirige également vers les bonnes vidéos. Et en attendant, je vous dis à très vite, c'était Momo pour JVM, la bille, jouez bien et prenez soin de vous. Ciao!